Salut, salut! Alors hier, on a fait des pains pita, aujourd'hui, on va faire le houmous pour aller avec. Il vous faut 200 g de pois chiches. Il faut les tremper la veille pour que ça soit prêt pour le houmous. De l'huile de noix, sel, paprika, cumin, poivre, une gousse ou deux gousses d'ail, des graines de tournesol et des graines de courge, un citron, de la ciboulette. Faites chauffer les pois chiches pendant 1h30 dans une casserole. On va mettre les pois chiches dans le mixeur. On met l'huile. Mettez une bonne quantité et on en remettra petit à petit. Et on mixe tout. On prend le couteau, on coupe le citron en deux. On met le jus de citron. On coupe l'ail. Et on va venir le presser dans notre mélange. Si vous n'avez pas de presse, c'est pas grave, vous le coupez en petits morceaux. Mettez le sel, le paprika, le poivre et le cumin. Et on mixe tout. On coupe la ciboulette pour mettre un peu de couleur. Et on verse le tout. Et la petite touche croustillante, on rajoute les graines de courge et de tournesol. Allez, on goûte avec notre pain pita. Le yaourt est plutôt pas mal.